Donc ici, on va regarder comment on a vu les actions simples qui sont page suivante, page précédente, et puis on aurait aussi éventuellement première page et dernière page. Hein. Cibler ces pages-là via les actions, c'est pas très compliqué. Il y a toutes ces actions-là. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on cible une page en particulier. Là, dans mon document, j'ai mon sommaire qui arrive en page 3, et moi, je voudrais un bouton qui me cible directement la page 3. Donc, on va avoir une petite solution pour ça qui va être de placer une encre à la main. C'est-à-dire qu'on va créer un petit bloc texte tout en haut de la page, en haut à gauche, et dans laquelle, via la palette hyperlien, on va venir insérer une nouvelle cible d'hyperlien. On peut la noter, la nommer, pardon, encre sommaire. Et c'est une encre de texte. C'est un petit caractère invisible. Hein. Si je zoome, qui se visualise par un petit deux points. Et puis ensuite de ça, donc toujours dans le gabarit pour placer les boutons, c'est plus logique. On va venir créer notre bouton. Je sais pas, je le mets un peu n'importe comment, c'est pas très beau. On va donc dans la palette de boutons le transformer en bouton. Et au niveau de l'action, on va lui demander d'accéder à la cible. Et ici, il va nous proposer toutes les cibles qui existent déjà dans le document et on va aller cibler celle qu'on vient de créer, l'encre sommaire. Voilà, ça va nous donner un bouton. On va. Alors, je vais aller fermer mon PDF avant. Hop, OK. On va exporter le PDF interactif pour aller vérifier que ça marche. Alors, on va aller se balader un peu plus bas. Si j'appuie sur mon bouton bleu, hop, ça m'amène bien au sommaire. Si maintenant, on voulait cibler une autre page, alors, dès l'instant où on a un document sur lequel on a généré un sommaire automatique, qui, je rappelle, est donc automatiquement interactif, hein, c'est-à-dire que si je clique sur les titres, ça m'emmène directement au titre. Si, par exemple, je voulais avoir un bouton qui me cible cette page-là de n'importe où, je pourrais lui demander, je reviens sur mon document, de me cibler. En fait, quand il m'a créé mon sommaire automatique, il m'a directement créé des encres sur tous les titres qui sont répertoriés dans le sommaire. Donc, je pourrais lui dire d'aller me cibler l'un de ces titres. Voilà, et ça marcherait. Du coup, ce bouton-là, il m'emmènerait à ce titre-là directement, peu importe où est-ce qu'il est placé dans le document. Voilà, c'est l'autre façon pour un PDF interactif d'avoir un bouton qui cible un endroit précis. Voilà.